quarry. Let's see if I can open it. C'était un grand homme, ce serait un euphémisme. C'est quelqu'un qui a tout fait en football, il a tout connu en football, tous les honneurs. Et c'est dommage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est vrai, il a raté des choses ça et là, mais qu'il a su compenser ailleurs. Je voudrais tout simplement dire que ça lui fait partir un peu trop tôt. Nous le regrettons. Toute la Guinée aujourd'hui est en deuil. Parce que Salif ne se limitait pas seulement à la dimension malienne, mais à la dimension africaine. Salif, il était foncièrement patriote. La preuve, c'est qu'il a toujours refusé d'autres nationalités, notamment celle de la France, pour rester malien, afin de ne pas donner le mauvais exemple aux autres qui vont venir après lui en Europe. Donc rien que ça, ça démontre son patriotisme. Il était doué, il était très fort, et personne ne peut dire le contraire. Pour moi, il était incontestablement le meilleur joueur africain de tous les temps.